Te voilà de retour. Et tu reviens blessé. Oui, Seigneur Garius. L'enfant de Port-Nuit qui a interrompu notre rituel au fort de la Croisée. Il nous chasse toujours. Redonnez-moi les forces et je... Seul m'importe le rituel de purification, ne l'oublie pas. Les statues sont-elles intactes? Le rituel peut-il toujours être accompli? L'enfant de Port-Nuit a fait une partie du rituel, Seigneur. Mais cela ne suffira pas à enrayer nos projets. Comment ça? Explique! Lorsque j'ai rallié les ruines d'Ilfar, un inconnu nous avait précédés, l'enfant de Port-Nuit et moi. J'ai détruit la statue pour la cinquième partie du rituel, mais quelqu'un l'a accompli avant que je ne l'empêche. Et j'ai peur de qui il s'agit. Il semble que cette guerre compte un autre acteur. Bref, dès que l'enfant de Port-Nuit aura trépassé, l'avènement du roi des ombres se réalisera. Monseigneur Garius, l'enfant de Port-Nuit a gagné en force. Bien qu'il ne puisse nous détruire, il ferait un adversaire en taille. Vraiment? Peut-être pourrait-il venir à bout d'un seul d'entre nous, mais pas de tous. C'est là que se trouve le sanctuaire de Mourant Empire. Tu es sûr qu'Elon ne s'est pas trompé? L'endroit n'a pas l'air très engageant, en effet. Eh bien, c'est vrai, ce vieux fou, cependant, l'endroit n'a pas l'air très engageant. Oui, en effet, et il y a plein de petites choses. Des bras zéro, un golem de garde de Gero, très bien, et un geyser. Sûrement de petites énigmes qu'il va falloir que je regarde. Beaucoup d'ennemis. Eh bien, allons voir cela. Alors, par contre, il y a beaucoup d'ennemis sur cette carte et... Je n'aime pas bien ça. Notamment ces gargouilles. D'accord, des gargouilles qui gardent des bras zéro et des molosses d'ombre. Est-ce que ça va? Ils attaquent. Qu'est-ce qu'ils voient? Qui vont des gargouilles? Parfait. Bon. Les gargouilles n'ont pas l'air très fortes. Ça peut aller vite. Ça peut aller vite comme ça peut très très mal se finir. Et ça me fait peur. Qu'est-ce qu'elle fait elle, là-bas? Qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que tu fais, nom de Dieu de nom? Quelle est idiote. Personne ne touche au golem de garde là-bas, par contre, hein. On est sûr. On est clair là-dessus, j'espère. Bon. Suivez-moi. Bon, c'était pas du tout une bonne idée, ce qui vient de se passer. Genre, je pense que c'était la pire idée qui existe. Je vais mettre ma carte là. Comment des gargouilles et des ombres Bille de fronde. Oui, bah ça vaut cher sûrement. Ou rien du tout. Va falloir que je fasse des choix dans mes... Oh. Ok. Va falloir que je fasse des choix dans les objets que je vais prendre maintenant. Il semble qu'il s'agisse d'un bras zéro quelconque, bien qu'il ne paraisse pas devoir s'embrasser par les moyens conventionnels, sûrement par ce geyser. Même probablement par ce geyser. Bon, commençons déjà par ces gargouilles ici. Pourquoi les gargouilles garderaient un bras zéro? C'est une question qui me préoccupe un petit peu. En tout cas, aucune difficulté. Je suis très content de cela. Là-bas, qu'est-ce qu'on a? Nous avons deux gargouilles, un petit peu imposantes. Pareil. Tu vas regretter de nous avoir trois gargouilles.
ce n'est pas du tout la même chose. Ça va être un petit peu plus compliqué, semble-t-il. Je peux activer un de mes sorts, c'est vrai. Il va falloir que j'y pense à ça. Oh là là, l'épée de Mordenkainen. Je suis très fier de lui avoir fait apprendre ce sort. Rien d'autre, semble-t-il, rien d'autre. Eh bien, il nous reste un bras zéro. Non, le geyser de l'autre côté. Ah, des molosses. Ça ne durera pas. Autant déjà s'en débarrasser. C'est allé très vite. Mais non. Qu'est-ce qui m'attend au niveau du geyser? Ça, c'est une réelle question. Et c'est intriguant. Et j'ai très peur. D'accord. Un geyser. Ah. Ça empêche l'œuf pourri. Quelque chose ne tourne pas rond. Approchons. Quelque chose ne tourne pas rond. Ah, oui. À mon avis. Soit c'est un sort. Vous apercevez un geyser s'éloigner? Ah bah oui. Oula. Ouah. Ouah. Pardon. Oh shit. Shit shit. Ah bah qui sont où? Ah la vache. Je marche dans le geyser. Ah merde. Oh ça va être C'est très étrange ce qui vient de se passer. Qu'est-ce que j'ai pris comme dégâts? Aspersion acide. Oui. Je comprends mieux. Ce n'est pas un geyser d'eau, c'est un geyser d'acide. Bon. Il y a des bras zéro. Ces bras zéro doivent sûrement, et même obligatoirement, être allumés d'une certaine façon. Il faut que je trouve comment les allumer. Ou bien je vais devoir me battre contre des golems. Je me charge de... Et divers gargouilles. 4 gargouilles. Bah écoutez, 4 gargouilles. Ça va aller relativement vite. Bien. Est-ce que ces gargouilles n'ont rien sur elles qui puissent m'aider? Bille de fronde. Ouais, rien du tout. Ah, il y en avait encore une. C'est bien beau de se battre, mais ça rapporte pas beaucoup d'XP quand même. Corne de gargouille. Bon. Bon, c'est là que... Ah, je peux lui parler. L'accès est interdit à quiconque n'appartient pas à la ligne de Jiro. Je suis une Jiro. Sachez que posséder le sang de Jiro n'est pas la première, n'est que la première étape. Vos alliés et vous devez soumettre aux 3 épreuves: détermination, vertu et perception. Quelle est l'épreuve de la perception? Cette épreuve détermine votre faculté à discerner les dangers que vous percevez, mais vous ne pouvez avoir utilisé les bras zéro pour éliminer la menace à détruire. Très bien. L'épreuve de vertu. Cette épreuve évalue votre volonté d'accomplir vos devoirs afin qu'en ressorte un souverain bien. Un chaman barbare médite souvent au sommet de cette zone, aspirant à recevoir une vision de son dieu. Pour une vision, il rassemblera maintes tribus, sous une manière unique déferlant sur le royaume, telle une vague sanglante. Très bien. La détermination, ignorer la douleur pour atteindre votre objectif, quel qu'il soit. Très bien. Bon. Ah, attendez, j'ai obtenu des différents objets et choses étranges. Débit de feu, donc, je suppose. Alors, attendez.
L'épreuve de perception. Cette épreuve va discerner le danger que vous percevez mais que vous pouvez voir. Utilisez les bras 0. Très bien. L'épreuve de vertu, il faut aller au-dessus. L'épreuve de détermination, et j'ai obtenu une fiole vide. Pourquoi ai-je obtenu une fiole vide? Bon. Détermination. Il vous faudra triompher de 3 épreuves. Il vous suffit de remplir une fiole d'eau acide quelque part à l'est où l'eau s'écoule vers le ciel. Les geysers. Ah. Épreuve de vertu. Pour mener bien l'épreuve, il vous faut tuer le chaman qui médite sur le point le plus élevé d'une colline voisine. Ça doit être par ici. Exactement. Et l'épreuve de perception, c'est que je ne peux pas voir. Ça va être compliqué. Donc, déjà, on va s'occuper des bras zéro. Hop. Faut que je allume les bras zéro. Ah non. On est d'accord que je peux pas. Si, je peux les battre, les élémentaires de feu. What the hell? Par la magie. Je peux les battre uniquement par la magie. Je ne sais. Où sont les. Où est l'ennemi? Là. On a. D'accord. C'est bizarre ce qui se passe. Pièce d'or. Ouais. Ah, essence de feu lumineuse et cœur ardent. Oh, un cœur ardent. Est-ce que c'est ça que je dois allumer? C'est combattre des... Objet perdu, cœur ardent. Oh, en effet. En effet, en effet. Très bien. Je fais une vérif quand même. Le bras zéro. Oui, c'est bien avec le cœur ardent. Mais je peux quand même récupérer cette essence de feu lumineuse qui vaut sûrement cher. Bien, un premier bras zéro. C'est déjà pas mal, il me reste encore ces deux bras zéro là. Ensuite, je m'occuperai de ce geyser et juste après le chaman. Déjà, je vais mettre un bouclier étincelant sur mes compagnons. Et là, je vois 3 élémentaires. C'est les grands élémentaires qu'il faut que je batte. Énorme élémentaire. Très bien. Oh, bien joué. Voilà, je. Arrêtez. Voilà. Oh, 84. Bien joué. Ah, et ça va invoquer une goule. Je récupère donc le cœur ardent. Et vais allumer le bras zéro. Oula, oulala, oulala, oulala. Qu'est-ce que c'est que tout ce... Ah, il me reste une. Eh bien, waouh. Le deuxième bras zéro vient d'être allumé. Et il me reste celui-ci. Et les élémentaires de feu sont de l'autre côté. Bien. Oui. Est-ce qu'ils sont au niveau... semblerait qu'il soit au niveau de ceci, au-dessus de la colline. Et il faut que j'aille là-bas. Je n'ai pas le choix. En fait, faisons attention. Comment je récupère dextérité. Réussite. Maintenant, on dégage. Faut partir. Kara, Kara, non. Qu'est-ce que... Je suis... Ah, je suis mort, ok. Par la barbe
de tir. Et nous sommes en combat parce qu'elle a actionné un combat. Elle est là. Tac. Suivez mon chemin. Voilà. Prêt ? Voilà. Le grand élémentaire, vas-y, allez-y. Cassez-lui les dents. Non mais. Voilà. C'est bon. On envoie tout le monde. Ici. Très bien. C'est bon. Et l'énorme élémentaire est juste là-bas. Il est temps d'utiliser. Oh là là, la magie de Kara. Incroyable. Parfait. Il n'en reste plus que le dernier bras zéro à allumer. On va déjà tous se reposer. Je vais remettre un bouclier sur tout le monde et c'est parti pour les dernières. Ah, c'est les frais Germanus. Je me suis fait effrayer. Trop bien. Je peux pas parce que je suis effrayé. Trop bien. Je peux rien faire, mon personnage bouge tout seul. Volonté, c'est bon, c'est réglé. Encore ? Non mais qu'est-ce que c'est le personnage qui fait n'importe quoi ? Voilà. Bien. Normalement c'est terminé. Et il ne reste plus que le chaman. Et le chaman, il va falloir faire attention a priori à tout ce qui va arriver en termes de vagues. En effet, c'est un point culminant. Petite sauvegarde. Un bouclier, bien sûr. Et allons parler à ce chaman. Je sais la raison de votre venue, je me tire devant vous, désarmé et vulnérable. Le golem prétend que vous êtes une menace, dit-il vrai. Je suis le sauveur de mon peuple, mais le fléau de vos royaumes. Je vous le demande à vous, que ferez-vous? Je n'avais commis aucun crime. Et pourtant, vous n'ignorez pas que je sais pas de vous. Alors je n'aurai d'autre choix que de vous tuer. Vous nourrissez le doute et pourtant vous refusez qu'il fasse obstacle à votre devoir. Excellent. Ah bah bagarre. Oula, oula, what? Waouh, j'ai vu plein de gens mourir. J'ai cru que son sort de zone allait me terminer. Fléau, écu et... bah tout va aller à Kelgar. Bien. Je suppose que... ça a été réglé. Oui, tout a été réglé. Étrangement, le chaman semble satisfait de votre décision. Bah, écoutez, pourtant, si dans le... dans le cas où la personne devant moi me dit que il va tuer les gens mais qu'il ne le fait pas, tant qu'il ne l'a pas fait, il n'y a rien à faire. C'est la loi, c'est son droit. Par contre, s'il me promet qu'il va défoncer toutes les personnes de mon royaume,
Là, c'est autre chose. Il y a d'autres paramètres qui rentrent en jeu. Et je ne peux pas laisser cela... Nul. Bien. Golem. J'accomplis les épreuves. Nous avons la flasque. La preuve de votre accomplissement. Bien. Le chaman est mort. Laissez la moralité embrumée, son esprit peut s'avérer une erreur fatale lorsque de vastes desseins sont en jeu et les bras zéros sont allumés. Ne vous en mettez pas à votre seule vue, si vous percevez une menace, fiez-vous à votre instinct, agissez pour qu'elle vince au grand jour. Vous avez surmonté les épreuves qui s'offraient à vous, néanmoins vos actes et paroles ne suffiront pas à déterminer votre appartenance à l'ennemi du maître. Par les dieux, mon grand-père devait tenir par-dessus tout à son intimité. Versez une goutte de votre sang sur le piédestal, le passage s'ouvrira. Ah, je suis bien sûr. Dépêche-toi, femme. Oula. Nous avons quelques détails avant d'y arriver. En effet, nous avons déjà une sauvegarde à faire. On ne sait jamais, si jamais elle a le tétanos, ça peut arriver. Bien, nous sommes prêts. Chandra. C'est fait. Et à présent, quoi ? Oh. Très bien. C'est... Ah. Très bien.